Oui, mais enfin, d'un autre côté. Non, pas trop de bruit, parce que sinon, on peut se faire foutre dehors. C'est un peu... On a rentré beaucoup de monde à la maison. Bonsoir, joyeux Noël, Brigitte. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe encore chez vous? Vous allez bien? Je vous embrasse exceptionnellement. Oh, c'est Noël. Exceptionnellement. Attention, hein. Je ne peux pas fermer la porte. Voilà, excusez-nous. Vous avez entendu du bruit? Oui, il y a encore un énorme bruit. Non, c'est pas possible. Des bruits d'assiettes. Et la dame d'en dessous vient de me téléphoner pour monter chez vous. Oui, mais je suis désolée, on a eu des bruits d'assiettes, mais parce qu'on a rangé. Vous avez réveillé son petit chat. D'accord. Avec vos bruits d'assiettes. Madame Joffre, on l'a réveillée, voilà. Je suis désolée. Et elle m'a dit qu'elle allait appeler Brigitte Bardot. D'accord. Mais alors... que vous traitez mal son petit chat. On est désolé pour le bruit. On jouait avec des assiettes, voilà, c'était... Hein, on s'excuse. Rien de... et puis on veut... Ouais, il y a une ou deux assiettes qui l'ont... On s'en va. Écoutez. Aime beaucoup. Quel monde, maintenant. Pourquoi? Moi, je suis dépassée par tout ça, hein, pourquoi? De quoi vous voulez dire? C'est un copain? Oui. Et les assiettes? Oh, bah non, bah, enfin, c'est un copain. Non, mais... Ah, mais là, non, je mais c'est... croire, hein. Bon, enfin, on peut être un copain, quand même. Les assiettes... Mais c'était pas une dispute, là, c'était un jeu. Oh. Ah, mais elle croit que... Mais c'est Luigi qui a tout pété. Brigitte, on n'est pas ensemble. Il est encore là, si. Attention. On n'est pas ensemble. Excusez-nous. Brigitte vient d'imaginer qu'on était ensemble. On n'est pas ensemble, c'est réglé. Je ne vous crois pas, mais je viens chercher votre... Allez-y, faites comme vous voulez. Elle fait mon ménage, elle dit quoi, le linge, elle fait... Allez-y. La gardienne de... Oui, elle est super sympa de temps en temps. Ça arrive rarement, peut-être cette année, on verra bien. Bon, en tout cas, je disais, l'album d'M. Pokora que vous devez avoir s'appelle Mise à jour version 2.0. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une version 2.0? Non, là, c'était pour le jeu. Je pense qu'à cette heure-là, en théorie, on fait un peu trop de bruit. Comme d'habitude, qui c'est? La voisine. Allô? Comment allez-vous, madame la gardienne? Oh, j'ai besoin de vous présenter quelqu'un, monsieur Coé. J'aimerais bien que vous m'ouvriez la porte. Qui c'est? Non. Il n'est pas très grand. Enfin, venez, je vais vous présenter, vous allez voir, c'est une bête. Venez nous voir, s'il vous plaît. Vous pouvez applaudir notre gardienne qui vient régulièrement. Bonjour. Voilà, c'est toi, Pascal, c'est Pascal. Non, voilà, c'est toi. Un moucheron. C'est le vigile de l'immeuble. Vigile. C'est attends, une bête. Madame la gardienne, on va se parler franchement. Vous êtes toujours gardienne? Je suis toujours gardienne. Et ça, c'est le vigile et de l'immeuble. Et en plus, il va y avoir le vigile de l'immeuble. Ah oui. Mais vous pouvez compter sur lui, hein. C'est une bête. Il est musclé comme tout. Il est bien en salle et en treillé. Et monsieur le vigile. Ouais, ça va aller. C'est Sébastien Chartier, son nom. Ok, très bien. Chartier. En cas de galère, on vous appelle alors. Vous m'appelez, j'arrive et je défonce n'importe qui. Défonce. N'importe qui. N'importe qui. D'accord. Mais je le défonce. Hein? Il vous gêne là? Non, c'est un invité, ça. Non, c'est un invité, ça. C'est pas un invité, ça. Parce qu'elle obéit. Ça, c'est un invité, ça. On a compris. Brigitte, ce qu'on va faire, c'est que vous allez repartir avec la bête. Voilà. Et puis, monsieur le vigile. Je défonce, Brigitte. Non, mais. Ça va aller, ça va aller. J'aime pas quand on touche le bonnet, ça m'énerve. Ouais. Ça va aller. Monsieur le vigile, allez-y. Oh, Allez, avance, Brigitte. Allez, avance ou je te défonce. Mais je te défonce. Il est chaud, moi j'aime bien. Alors, c'est une cascade. Putain, la vache. T'as fait un truc, c'est des arts martiaux, du kung-fu, des machins. Là, il a la sensation de sa vie. Est-ce qu'on peut remettre l'affiche du spectacle musical Adam et Ève? Ah, il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on essaie de réfléchir à d'autres trucs. Bon, Brigitte, vous n'allez pas venir 40 fois par émission, Brigitte. Non, mais entrez deux secondes, je vous en prie. Je vais la chercher. Rentrez, expliquez-nous. À qui? Ah, c'est bon, ma belle-mère. Merwan. Vous êtes ma future belle-mère. Ah non, c'est vrai. Ah oui? Ah bah oui. Je voulais vous présenter tous mes désirs avec Giuseppe depuis que je l'ai vu à la télé. Oh.
J'ai des posters de lui dans toute ma chambre. Ah. Et tous les soirs, je m'endors. Vous savez que toutes les deux, quand vous étiez face à face en vous tenant par la main, j'ai cru que c'était le début d'un film érotique sur Vivolta. Ah bah, ça tombe bien. J'ai une chose à vous proposer. Lui et Maïus, il vous prendrait bien. Quoi? Ah bon, pour faire quoi? Bah, votre robe, votre look. Il y a du travail pour toi. Justement, je venais vous demander un conseil, ma future belle-mère. Je voulais vous demander, est-ce que je dois mettre une guêpière ou des porte-jartelles pour la nuit de noces? Oh bah, rien, hein. Ça suffira comme ça. Bon, bah écoutez, je... merci Brigitte. Moi qui croyais avoir trouvé un fiancé. À bientôt Brigitte, et avant, hein, fais péter la musique de Marwan Rim, que la qualité. Voilà, qu'est-ce qui se passe, Brigitte? Bah, vos invités me salissent tous mes escaliers. Désolé, J'ai passé l'aspirateur, maintenant il est bouché, hein. Vous connaissez un peu, vous regardez Hollywood Girl? Elle s'en fout, vous regardez pas. Bouché. D'accord. Vous regardez Hollywood Girl ou pas? Oui, bien sûr. Voilà. Ah, je croyais que c'était Secret Story. Non, on n'invite pas tout le temps Secret Story. Ah, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a, cet aspirateur? Bah, il y a toutes ces cochonneries, là, ces trucs de vos invités. Moi, je sais pas trop ce qu'ils laissent tomber dans les escaliers, regardez. J'ai l'impression qu'il est un peu... Il est bouché, non? Oui, il est bouché, l'aspirateur, c'est à cause des invités qui laissent tomber les trucs dans l'escalier. Oui, c'est à cause de vos invités, ils laissent tomber toutes leurs cochonneries dans les escaliers. Moi, j'ai eu après passer à l'aspirateur, et maintenant, il est bouché, mon aspirateur. Il est bouché. Oui, parce que c'est des invités qui laissent tomber les trucs. C'est les invités, vous regardez toutes ces cochonneries qu'il y a là-dedans. Et ils font tomber ça où? Dans la cage d'escalier, par contre, hein. Voilà. On va aller voir un médecin après. Alors donc, qu'est-ce que vous avez dans vos trucs? C'est quoi ce bordel? Voilà. Oh, bah vous avez. Ah, dis donc. Ça, c'est Shona Sand, ça. Carte d'identité. 1923, la boîte de naissance. Waouh! C'est incroyable, quand même. Bien fait, hein. C'est fou, quand même. 1923. Enfin, je pensais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Un cerveau. Ah, c'est Nabila, ça. Elle a oublié la dernière fois qu'elle. Oh, bah, dans la saison 2, excusez-moi. Oh, c'est moche. Oh, ça, c'est moche. Oh, lui, c'est moche. Je rendrai. Nabila, qui est là, bonsoir, je vais peut-être ouvrir, c'est mon appartement, c'est vrai. Bonsoir. Ah, c'est la gardienne du monde. Je sais, Brigitte, je vois dans l'écran que vous êtes Brigitte, la gardienne. Non, je vais. Venez, Brigitte. Alors, attendez. Venez. Ça va, on n'a pas fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On a juste chanté Mon père était. Et s'ouvre-moi alors ton cœur. Je suis là. Mais par contre, il y a des choses qu'on voit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il est là, Jean-Marie. Dans des sketchs? Allez-y. Pourquoi il ne peut pas vous mettre dans la sketch? Je ne sais pas, il ne me dit rien. J'ai tant que je demande à des coureurs. Oui, de toute façon, tu comprendrais, c'est vrai. Alors moi, je sais pas. Bah ouais, il ne me dit rien. Hein. Il est gentil, il est sympathique. On entend sur le plateau de somme, ça s'arrête là. Déjà, ils m'ont bouché là, hein. Je suis reconnaissante, hein. Même un peu dans les prix. Alors, j'ai comme des merveilles. Je croise les doigts pour la nouvelle. Ouais, c'est ça, je voulais bouger là. Vous avez raison, on va plus entendre ma voix. Là, on n'entend pas quand on parle. J'ai baissé le micro à fond. Ça fait pas un gros coup, parce qu'il y en a, ils m'ont dit que ça fait un gros coup. Voilà. Non, ici, là, vous voyez,
Ça saute pas aux yeux quand même. Elle avait 20 poils. Ils sont arrivés à un âge. On a plus 20 ans. Bah, hein. Bah voilà. Hein. De toute façon, mais dans le début, moi je pense que dans la vie, il n'y a pas assez de mecs qui sont montés. Alors, c'est bon. Il y a des explications que vous avez pu rendre. Ramène-la, ramène-la. Bah oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'étais à l'essai au début, elle m'a dit à l'essai, donc il y a l'essai. Oui, je viens voir le couple là, qui font des cochonneries sur la couette. Ils veulent pas qu'on en parle. On m'en fout. Parce que moi j'ai vu, j'ai l'impression que c'est tendu quand on en parle. Ah bah c'est vaut mieux que c'est tendu. Il y a les autres qui s'apprécient le matin, qui s'apprécient le midi, qui s'apprécient le temps. Bien ça aussi. Et bah, ils sont là. J'ai gardé la vidéo de ce qu'ils ont fait. Quelle vidéo? La vidéo, ils font zizi pompon. Ah tu dis zizi pompon? Oui, parce que zizi pompon. Ouais, c'est marrant, je disais ça quand j'avais 5 ans. Mais... Bah, il a 5 ans. Hein, attends, t'as des sextapes? Excusez-nous, on est entre nous. Hein, vas-y. Ouais, t'as vu, tu les connais? Ouais. Je l'apprécie. Ouais. Hey, j'ai une collection de vidéos comme ça. J'en ai plein. C'est bien, t'as quoi genre? T'as quoi? J'ai la vidéo de Paris Hilton. Elle fait zizi pompon. Ouais, Paris Hilton, on l'a tous téléchargé, même une fois sans le vouloir, hein, à l'arrivée. Oui. Naturellement, on l'a. Alors, j'ai Kim Kardashian qui fait zizi pompon. Kim Kardashian, là aussi tous vu, hein, c'est ça. Alors, j'en ai une de toi. Là, ça devient intéressant. Là. On veut voir. Avec qui? Elle est connue? Avec une comédienne. Il est connu ou pas? Elle est connue? Ah oui. Non. T'as une sextape de moi? Oui, c'est sextape, ça. Là, tu dis, si, pompon! Avec moi? Ouais, une comédienne, une blonde. Là, ouais. Elle est connue? Ouais, elle est connue, ouais. Une blonde comédienne. Je me souviens, enfin, des fois, ça m'est arrivé de filmer. Ah oui, là, probablement. Enfin, blonde comédienne. Blonde connue. Connue. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a une bonne dizaine. Je vois pas de qui tu parles. J'ai la vidéo, moi. Mais non, c'est pas possible. Je l'ai amené, moi. Zizi, pro. Vas-y, pousse-toi. Regarde. On a, vous avez la vidéo. Non, mais attends. Si. Oui, excusez-moi. Ça filme bien, là? Je sais pas. Oh, ah non.